Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un vlog. On est aujourd'hui à Ninove en Belgique pour la dernière compétition de la saison. Je vais être sur steeple, aller sur 1500, mais elle s'est tordue la cheville ce matin, donc on ne sait pas comment ça va se passer. On verra si elle court ou elle court pas. En tout cas, là, ça va être un vrai meeting international, ça va être trop stylé et on verra comment ça va se passer les refs. C'est parti, bon visionnage à vous. Belten! Ah! L'espoir, c'est pour tout le monde! J'ai pas compris, t'as dit quoi? C'est comme un gourou! C'est un nouveau maillot aujourd'hui, il est étiqueté et tout, tout nouveau. Espérant qu'il va me porter chance celui-là. Moi aussi, il a mangé une grosse banane. Mais mec, je lui demande de faire moitié-moitié, elle lui dit non. Et maintenant, c'est moi, je donne pour la vidéo. Ouais, c'est pour la vidéo, ouais. Faut filmer les embrouilles aussi. Hein. Et j'ai hâte de montrer avec toi parce que je vais être lâché. Je vais être enfant sur la vidéo. Ah ouais, dédicace, regarde la star. Dédicace laisse pour Justin, le grand frère. Laisse Augustin, petit pouce bleu. Des dédicaces à faire, Alice, une dédicace. Dédicace à Meïssam Jouan. Bravo. Oh oui. Mousse, une dédicace. Dédicace à personne, il fallait être là. Exactement. Il n'y a rien. Une dédicace à faire. Nolan. Non, je ne pas. Merde. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas présenté Nolan. Mais oui, il est tout le temps là, le Nolan. Ah ouais. Du club. Ouais. C'est l'homme du club. Non, pour l'instant. L'arrivée de Momo. Popopo. Le retour de Mulhouse. Tu t'es perdu? Oui. Ça va ou quoi? Ça va. Bon, c'est chauffé maintenant, les gars. On est chaud. Allez Mousse, ah, il fait l'erreur de sa jambe. C'est de la merde. Donc là ils vont arriver à la rivière. Allez Mousse, allez. C'est bien Mousse pour l'instant? Pour l'instant c'est très bien. Allez Mousse, allez, c'est parfait là, c'est parfait, allez! Allez Mousse, allez, c'est parfait là! Allez Mousse, allez! Allez Mousse, allez, tu vas le chercher devant, allez Mousse, allez! Allez Mousse, allez! Merci, Amir. Troisième, hein.
Alors, Momo? Hein? Alors? Bien. Bien. Il y a un athlète maintenant. 10 secondes. Je crois que t'es en 43 ou 44. Ah, c'est écrit là-bas, hein, 40. Purée, à la 90e, on a réussi à remonter, frère. Dernière compète. Dernière compète et enfin une belle course. Allez, Berry, allez, allez, tu finis fort, c'est bien. T'es dans quel pays? Bah regarde s'il y a de l'alcool dessus et puis tu vas voir. C'est sûr qu'il y a de l'alcool. Ouais. Si, ouais, il n'y a pas grand chose. Ah, ce soir, le mousse, on le revoit pas. Bon, les amis, donc comme vous avez pu le voir, donc je finis à la 3e position avec un chrono de 8,43. Je suis vraiment très heureux de ce chrono-là qui est vraiment à la hauteur de mes attentes parce que vraiment, c'était l'objectif que je m'étais fixé en début de saison en commençant le steeple. Je me suis dit vraiment, il faut que je fasse au moins moins de 8,45 et ça a été tellement dur d'arriver à moins de 8,45 parce que je galérais avec de la malchance, je galérais avec mes soucis de santé à chaque fois, c'était trop chiant. Je suis jamais tombé autant malade que cette année, je suis jamais allé à l'hôpital de ma vie et cette année je suis allé 3 fois, c'est trop chiant. Mais voilà, il fallait être patient, je suis resté patient, j'ai continué à travailler, j'ai continué à m'entraîner et c'est passé cette fois, Dieu merci. Vraiment heureux de cette fin de saison, vraiment ça, comme je l'ai dit, on l'a sauvé à la 90e minute, c'est très très cool. Alice de son côté, malheureusement, elle s'est fait vraiment une entorse. Là, vraiment, elle a la cheville vraiment gonflée, comme elle s'est tordue la cheville le matin de la compétition. Et donc, elle a essayé de courir, mais elle n'a pas pu finir, et ce qui a un peu aggravé son entorse. Donc, on lui souhaite un vrai rétablissement. Et on espère la retrouver très très bientôt. N'oubliez pas qu'elle est vice-championne de France sur 1500 mètres. C'est incroyable, vraiment trop heureux pour elle. Et maintenant, je vais prendre une semaine de coupure. Là, on est à Annecy, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et après, je vais reprendre ma saison et les entraînements comme il faut pour des nouveaux objectifs. J'espère vous faire vivre ça avec moi. Ça va être incroyable. Si tout se passe bien, je ferai de la route en début de saison, ce qui va être cool. Et après, on verra pour la suite, est-ce que je vais faire les crosses, la salle, ou est-ce que je vais faire de la pétanque, ou on ne sait pas. Donc, merci les refs d'avoir suivi cette vidéo-là et toute cette saison-là, parce que c'était incroyable, c'était grâce à vous aussi. Donc, je vous dis à la prochaine les amis, c'était Mousse pour Mousse Life. N'oubliez pas de vous abonner les refs. Je vous dis à la prochaine, c'était Mousse pour Mousse Life. Prenez bien soin de vous.